J'espère que j'évite la cabane. Ça reste instable. Super. Donc on va tester ce modèle. Merci les caméramans. Premier vol. Es-tu prêt? Ça va être instable. C'est assez sensible. T'as mis un peu d'expo? Ah, ça vole bien, ouais. J'ai l'impression que ça me rappelle certains souvenirs. Faut s'accrocher. Ouais, c'est exactement ça. Moi, l'ennui, c'est que ta mélisse, elle ne surprend pas. Hein. Ouais, après, c'est. Je pense qu'il a un tout petit peu de gaz, il a bien marché. Alors là, j'ai une 3300 mAh dedans en 4S. Et je pourrais monter jusqu'à du 5000, hein, donc je peux encore la charger bien comme il faut. Hein. Mais là, je n'ai aucune idée combien elle doit peser, peut-être un kilo, un kilo 5. Elle vole, ça a le même aspect que ça. Hein. Je sais pas si c'est... moi devoir déjà voir si ça fonctionne ou pas. Mais justement, c'est ça qui est drôle, si ça fonctionne pas, au moins on a un fil. Ouais, voilà. Mais là ça va fonctionner, en tout cas j'espère. Ok. Donc décollage automatique, TBS Sky Pirinha, Speedybee F405 Wing, donc avec décollage automatique sur iNav. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai un peu testé différentes techniques pour la faire décoller, mais j'ai l'impression que de la lancer en arrière, c'est ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de plus simple parce qu'elle est déjà droite. Donc, départ. Oh, le fou. Donc là, elle est en automatique. Donc là, elle est en automatique. J'ai repris le contrôle et là, je la passe en mode GPS. Donc, elle va tourner à 50 mètres au-dessus de nous en rond jusqu'à ce que je reprenne l'accent. Donc là, par exemple, mange des gaz. Je peux le bouger, il se passe rien du tout vu qu'elle maintient l'altitude. Okay. Et là, je vais aller chercher l'APA. Le modèle qu'il a fracassé en bas. Moi je pense que le meilleur moyen c'est d'essayer de repérer s'il y a un petit feu. Je me mets dans la direction. Là je suis dans la direction. J'ai le vent en face donc je vais essayer de maintenir une altitude de 50 mètres. Je pense que de toute façon le mieux ça sera de la revoir en retour. Hein. Le problème c'est que c'est de la forêt, mais c'est que de la forêt quoi. C'était long. Hein. Oh, vraiment loin. C'est impossible. En fait, la forêt elle est tellement dense que... Alors là, elle est en mode auto back home, du coup, elle va circuler au-dessus de nous en attendant. Mais non, j'ai compris. Oui. Ah,
Passage, basse vitesse, gauche. Aïe, retour à la réalité. Les yeux piquent. Les yeux piquent.